poursuit pas, hein. Et ben voilà, on est parti. Sur Radio Fekirak, ici Ravi Rerana. Bon, je voudrais vous parler d'Amita, une guerrière intrépide, un chef respecté, la grosse balèze du Sanctédor. Et puis pour moi, je la trouve trop sexy avec un smile. C'est juste mon avis, hein.
Tournons-nous, pirates, pour ne que pas gagner du palin, voilà. Let's go.
On vous envoie de l'aide! Good. Come on!
disparu. Allez, cherchez partout. Ok, le sec est quelque part par là. Et connard, où est-ce que tu te caches? Ugh!
les dévoilons. Appelle-les tout de suite. C'est dangereux de laisser traîner tout ça. Namasté. C'est toi qui as repris les avant-postes? Ah, merci mille fois. Faut appeler Anita ou Sabal pour prendre cette héroïne. Merci d'avoir dirigé l'attaque des avant-postes. Il y a eu une attaque! Je demande une aide d'urgence! Des tigres attaquent! Des civils sont touchés! On a besoin d'aide! Bien reçu. Quelle est ta position? Je t'envoie les coordonnées. Traîne pas. Il tourne et il se rapproche de nous. J'arrive tout de suite.
normal pour des tigres de chasser en meute comme ça? C'est une bande, pas une meute. Non, ils ont été empoisonnés par les produits dont se sert nous pour fabriquer l'héroïne. Ça leur coupe le cerveau. Venez vous battre, je suis prête. Mais merde. Je vous propose des mines pour les effrayer. On ne survivra pas si ça attaque. Est-ce que c'est normal pour des tigres de chasser en meute comme ça? C'est une bande, pas une meute. Non, ils ont été empoisonnés par les produits dont se sert nous pour fabriquer l'héroïne. Est-ce que c'est normal pour des tigres de chasser en meute comme ça? C'est une bande. Oh non! Pas une meute. Non, ils ont été empoisonnés par les produits. Merde! Ce sert nous. Pourquoi tout ça? C'est l'héroïne. Ça leur bouffe le cerveau. Si je crève, j'en emmènerai quelques-uns. Cassez-vous de tigres! D'où ils viennent. Écoute bien. Tu devrais pouvoir les entendre avant de les voir. Pas comme ça. Non, pas comme ça. Un tigre.
sans arrêt. Et c'est les Molotov. Tous les tics que j'ai vus avaient horreur du feu. Teste les tigres, mais pas toi. Merci. Je déteste aussi. Yeah.
Royal est toujours en patrouille. C'est pour votre sécurité et celle de Kira Frank. Assurez-vous de toujours lui laisser le passage et d'éviter tout bruit en sa présence. Si l'armée royale vous donne un ordre, vous devez lui obéir immédiatement. Tout refus d'obtempérer aura de graves conséquences. Que la lumière magane. J'espère que ça t'aidera dans ton aventure.
Ah, salut. Désolé, j'avais pas vu le message. J'ai pas trop pris la télé. Ouais, je trouve aussi. Je trouve qu'il est bien. Enfin, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit live dessus, juste où je me balade, où je fais des petites missions annexes. Mais j'aime bien, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Je l'ai eu quand? Je l'ai eu le 7 février. Ouais, c'est ça, le 7 février, et j'aime beaucoup. Encore des tomes, le son qui m'intéresse. Voilà, je savais bien qu'il y avait une poutre soupe qui m'intéressait. Ah, choix difficile. Pour un sac de munitions ou un kit de seringues. Kit de seringues, j'aime bien. 4 seringues de chaque type. Ah, ça peut être intéressant. Peu les seringues. Voilà. J'ai toutes les seringues. Je peux apporter combien là? Les seringues, pas mal, je crois. Ouais, je suis désolé de pas trop parler parce que j'ai pas je me concentre et j'ai pas trop l'habitude de faire des lives en fait. Et puis c'est con. Et un coup j'ai fait un live où j'ai fait un peu comme je faisais en vidéo, donc je faisais parler comme ça et j'ai l'impression un peu de parler tout seul. Pas d'interagir avec les gens et. Je trouve ça un peu bête. Il y a 149 mètres mon truc que je veux là. Je suis pas prêt d'y arriver. Et par rapport à quitter la vidéo, ça va? Si tu pouvais répondre, ce serait cool. Parce
Parce que j'ai mis juste Optimal, j'ai pas mis Optimal HD, parce que j'avais peur que ça saute. D'accord, merci. Et t'as un gros décalage ou pas? Alors je veux savoir si la qualité de la vidéo est pas trop mal et si un gros décalage. Ça serait cool. Ça... J'ai juste mis Optimal, je crois pas que j'ai mis Optimal HD, je sais plus. C'est vrai que je regarde. D'accord. Merci. Merci. Désolé, là j'ai essayé de me concentrer pour tirer stop pour tirer. Voilà, c'est fait. Comme arme que j'ai sur moi ou juste les armes que j'ai débloquées? Alors les armes que j'ai débloquées, il faudrait que j'aille dans un village et je te montrerai quand j'aurai sauvé le village là. Les armes que j'ai sur moi, bah, j'ai ça, celui-là, comment ça s'appelle, MS16, l'arc recourbé et une arme qui se débloque avec cuplet. C'est un pistolet que tu peux améliorer, qui est pas trop mal. Et l'arc recourbé que j'ai acheté après avoir essayé l'arc en bois. Et pour les armes que j'ai débloquées, je vais te montrer ça juste quand j'aurai sauvé le village. Bonjour, je veux te monter dessus parce que j'ai jamais essayé et ça doit être franchement drôle. Mais tu n'as pas le jeu? Enfin, c'est possible que tu n'aies pas le jeu, moi j'ai mis longtemps avant de me le prendre. Je voulais vraiment me faire une idée vers regarder la vie tout ça et puis en fait j'avais peur qu'ils ressemblent vraiment trop aux trois et je crois que j'ai pas trop eu de temps là-dessus mais... Tiens, salut. Ah d'accord, ok, je savais pas. Eh ben, si la PS4 t'intéresse et qu'un jour baisse de prix, parce que c'est vrai que ça peut être cher pour certaines personnes une PS4, hein. C'est vrai que ça coûte quand même assez cher. Je te conseille vivement de la PS4, franchement moi je ne suis pas déçu de la console. Et dans ce cas-là, bah, du coup tu dois être sur ordinateur ou sur téléphone en train de regarder, du coup je te conseille de me suivre hein, si tu le souhaites ou d'aller voir ma chaîne YouTube Blue Fool, mais je fais pas trop de vidéos
en ce moment. En tout cas. N'importe quoi, tu m'as pas vu. Pourquoi on a une PS Vita? C'est trop bien PS Vita. Ils sont en train de sortir plein de jeux à... un jeu ici du Japon, donc franchement je trouve ça dommage de revendre la PS Vita pour acheter une PS4, surtout que la PS Vita, même si tu la revends pour acheter la PS4, t'auras pas forcément assez. Ça, en plus ça dépend c'est quel modèle de PS Vita après. Si c'est une 1004, je sais pas si toi t'arrives. Ça c'est pour tu la rends après. Et j'ai une PS Vita. Pour information et j'ai pas mal de petits jeux dessus. En plus ce mois-ci sur PS Vita en jeu du PS Plus, si tu as le PS Plus, ils nous ont donné ok d'accord mais pour PS Vita là ils nous ont donné ou pour PS3 c'était à PS3 ils nous ont donné en jeu PS Plus Duke Nukem Megatron Edition, qui est un très bon jeu, enfin qui est un jeu qui est pas trop loin, enfin si tu as connu Duke Nukem à sa grande époque bien entendu sur PC, un passage PC et que je conseille plutôt. Je suis sur PS Vita, c'est super drôle les jeux sur PS Vita. Je vais pas faire ça, je peux pas faire comme je veux. Il n'y a pas de bons jeux sur la PS Vita. Si, il y a des très bons jeux. Bah là, je viens te dire, là, le jeu du PS Plus de ce mois-ci, Duke Nukem, si t'es intéressé par les jeux japonais, t'as Project Diva, hein, qui est un bon jeu. Enfin, c'est un jeu de rythme à la japonaise qui est très bon. De quoi d'autre je PS Vita? T'as Gravity Rush, t'as le charter de PS Vita, hein, qui est pas trop mal, hein. Ouais, je l'ai fini, j'ai réussi à faire le truc, quoi ça s'appelle, le QTA avec le tactile, qui est pas hyper bien fait. Non, je ne vous montrerai pas. Non, je suis pas là. Voilà. Y'a quoi d'autre? Bah attends, je vais te dire ce qu'il y a comme bon jeu sur la PS Vita. D'accord, hein, j'ai pas la liste complète de tous les bons jeux sur PS Vita, mais j'ai regardé exprès pour toi sur ma PS Vita tous les jeux que j'ai, dont certains que j'aime beaucoup. Ah, en plus je gagne des compétences et je vais te montrer après les armes que j'ai débloquées. Alors sur PS Vita, en bon jeu t'as quoi? T'as bah Gravity Rush que je te disais, Metal Gear, c'était bien Metal Gear, Resistance Mode nul, Ridge Racer qui est pas trop mal dans son genre, t'as Little Big Planet PS Vita qui est bien, Ninja Gaiden Sigma 1 et 2, Dragon's Crown qui est bien aussi, en jeu dématérialisé, j'en ai pas mal, j'ai Ragnarok Odyssey, mais faut séparer, c'est un jeu à base japonais qui est en anglais, donc faut comprendre l'anglais. Project Diva, Akiba Strip qui est bien, mais il faut comprendre l'anglais.
Duke Nukem, t'as quoi? Si t'aimes bien les petits jeux avec style Puzzle Bubble ou Bubble Rush, tu connais Bubble Rush, t'es jeune. T'as Sparkle qui est bien. Non, Zuma, par contre. Zuma. Un Zuma, bah t'as Sparkle qui est bien, t'as Don't Starve en version PS Vita qui est bien, t'as The Bandico Visea qui est un des premiers qui est bien, Minecraft qui est pas trop mal sur PS Vita, je préfère quand même sur PC et ou sur PS4 et de Kuro aussi. Et Duke Nukem et Final Fantasy X et X2 HD hein, qui sont très bien. Et tu peux jouer avec la PS Vita, tu peux jouer à tous tes jeux, à tous les jeux PS1 et beaucoup de jeux PSP, malgré qu'il y a, comme j'ai dit dans Sin de Vito, il y a quelques temps maintenant, je regrette qu'ils aient pas sorti certains jeux sur PSP sur le store pour pouvoir les refaire. Ah, donc tu regardes le live sur la PS Vita. Oui, c'est vrai qu'il y a l'application sur la PS Vita aussi. J'avais oublié cette fonction-là. C'est vrai qu'ils ont mis en direct de PlayStation sur la PS Vita. Et d'ailleurs, en parlant de cette application, tu vois. En parlant de cette application. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. À la base, il devait sortir plus ou moins en même temps l'application en direct de PlayStation, en même temps que plus ou moins en même temps, à quelques jours près, que la PS4. Chose qu'ils n'ont pas faite, hein, bien entendu. Mais bon, ils ont quand même fini par nous la donner, donc. Alors les potes loup tibétains ça me fait chier d'en vendre beaucoup, je vais en vendre juste quelques-unes. On va garder 8, ça c'est pareil, on va garder 8. J'aime pas mal. Oh, on va garder que 6. C'est bien 6 échecs. Ah du coup oui, du coup la qualité est devrait pas être mal sur l'écran de Pesita. Bah attends, du coup je vais te montrer toutes les armes que j'ai débloquées. Vu qu'on y est. Donc une arme que j'ai débloquée, voilà, j'ai ça, en pistolet. Mais j'ai pris celle qui me plaisait, ce que je pouvais l'améliorer à part le canon. Ah non, c'est celle que j'ai. J'ai celui-là. Aussi, je peux pas améliorer le canon, donc ça m'énerve. S'il vous plaît, si tu veux fusée tout ça, ça je peux l'acheter. Et ça je peux l'acheter, mais comme je peux pas. Ah, si celui-là je peux mettre un silencieux et une lunette. Tiens, on va se l'acheter. C'est qu'on peut. On peut modifier ses armes. Mais si t'as des bons jeux quand même, ça a fait ça. Et t'as Marvel vs Capcom 3, t'as qui est pas trop mal, hein, je l'ai, hein. J'ai joué, t'as Killzone Mercenary, c'est ça, pas le Killzone de la PS Vita, je me rappelle plus, Libération je crois que c'est. Ah, j'aime pas. Je préfère mon autre. Ah oui. Désolé, je t'ai dit que je te montrerai les armes, mais je fais ma vie. Comme on dit. Donc voilà. J'ai tout ça en armes de débloquer ou que je peux acheter. Dont un RPG. D'accord, bonne nuit et à plus tard, et n'hésite pas de me suivre si tu veux voir d'autres lives, mais bon, je préviens, j'en fais pas beaucoup. À plus.
Et la carte. Voilà. Ah oui, puis je peux acheter des flèches explosives, ça c'est bien. Oui, ce n'est pas grave. J'allais dire, attends, c'est une pésita. Tu vas dormir, autant la prendre et faire moi, ce que je fais des fois, quand je regarde des lives. Je m'endors en regardant les lives. Mais bon, je parle pas forcément, de toute manière. Donc je te dis à plus tard, et merci d'être venu sur la live. Du ministère des Affaires publiques et de l'harmonie sociale. Hey, je vais te laisser finir, mais Radio Frikirat, c'est la meilleure radio de tous les temps. Ouais, tous les temps. Vous écoutez Radio Frikirat et c'est grâce à mon pote qui a réussi à libérer presque la moitié des tours du pays. Ah, que la lumière de Pagan vous inonde le trou de balle. Si tant est que Chotou n'y soit pas déjà. Quoi, Chotou, te vexe pas, tu le fous partout pour ces émois. Certains d'entre vous doivent se dire que c'est vrai, vu que j'aimais depuis un bunker. Mais au moins, je chie dans ce qu'on fait de mieux. J'y peux rien. J'aime pas m'accroupir, et il est hors de question que je chie dans un trou où il y a déjà plusieurs semaines de merde d'autres gens. Vous savez quoi? Je vais vous le dire en direct. J'adore mon bidet. Ouais, j'aimais depuis un bunker ici, avec Chotou. Et ouais, des fois c'est pas vraiment confortable. Et ouais, parfois on n'a pas les meilleurs sanitaires par ici. Et ouais, vous vous plaignez parfois de pas bien entendre ma voix. Mais je suis comme un roi. Je vous le dis ici aujourd'hui, je suis pas comme vous tous. Yeah.
Les ondes sont à nous, et c'est Radio Free Pirate. Vous êtes au courant pour les grottes où nous organisons toutes les réunions? Quand je dis réunion, je suis gentil. C'est pas vraiment la fête là-bas. Il se passe des trucs de dingue là-dedans. Non, je suis plutôt tolérant comme mec. Après tout, je fais une zone radio libre pour vous, tiens. Mais c'est moi ou quoi? Je suis des ringards. Mais j'ai jamais compris les gens qui aiment des trucs bizarres. Alors, oui, j'aime le sexe. Je remercie le site. Le soldat Vora doit bientôt superviser une expédition. Par cette route, je crois. Ceci est un appel d'urgence. Notre avant-poste subit une attaque. À tous les agents du Sentier d'Or dans la zone, répondez. Thank you.
Cependant, dégénérer.
sa balle. Il faut protéger les sites sacrés. Il y a d'autres sites plus importants. C'est la preuve qu'on se préoccupe du Kirat. Attention, allez au phare.
Voilà, ben moi je vais vous dire à bientôt. J'espère que vous serez nombreux à me suivre sur les lives ou à me suivre sur ma chaîne Oulufou. Et je vous dis à très bientôt et une bonne nuit ou une bonne journée selon quand vous regarderez ceci, vu qu'il y aura la retransmission en vidéo sur ma chaîne.